Salut à toutes et à tous, c'est Koinski, de retour à l'école de Jean Bonneau. On poursuit l'aventure, je vais faire la communication, on va aller voir le campement des marchands. En réalité, il n'y a plus grand chose qui m'intéresse dans les relations de factions. On pourrait essayer de monter les inquisiteurs à 75 pour avoir des gains de mana des événements qui augmentent de 20%, ça pourrait être pas mal. Ça me paraît pas vraiment non plus indispensable. Des nouveaux professeurs, j'ai l'impression que maintenant on n'aura plus beaucoup, donc... On va essayer de se renforcer plutôt en allant acheter des choses. Une carte parmi 3 pour 175, c'est toujours bien, c'est pas cher. Et là, c'est des salles de cours, mais j'ai l'impression que j'en ai déjà assez. On pourrait améliorer celle qu'on a déjà, sinon on va le faire. Salle de la nature, j'avais que niveau 1, donc ça peut être bien. Alors, on va prendre un deuxième exemplaire. Je le tape là. Alors, on avait également de quoi faire peut-être une nouvelle potion. Voilà. On a eu un réactif alchimique gagné 200 mana d'alchimie. Ok. Donc on voit maintenant les... Comment dire, les réactifs dont on a besoin pour faire éventuellement les potions. Je sais pas comment on fait réapparaître cet écran-là, par contre, ce serait quand même bien pouvoir le consulter. Samantha, on disait lui, c'est morte. On va relancer le destin, évidemment. Apothicaire. Ok. Bibliothécaire. On va relancer. Cultivatrice de plantes carnivores. Gagner la racine de mandragore. 150 de mana d'ombre et 150 de mana de la nature. Ok. Sbire. Aventurière. Donc moi, ce que je cherchais pour ma mission, c'était tueur à gage, hein, mais bon. Là, il n'y a pas... Ok. Mage de village. On peut peut-être avoir mieux ici, quoique... On peut essayer artisan. Jardinier. Maître des potions. Ok. Diablotine. Je lis toujours pour voir s'il n'y a pas archimage, mais honnêtement, je pense que j'ai pas ce qu'il faut pour le moment. Page. Maître des runes. Beaucoup de sorties. Il faut dire qu'on a beaucoup d'étudiants maintenant. Hein. Shinobi, tiens, j'ai jamais vu ça. On va essayer de l'avoir. Ah zut. Aventurier, remonteur d'horloge, sbire. Ok, on a eu énormément de choses. Donc on va pouvoir acheter beaucoup de cartes. On va le faire après. Donc à partir de maintenant, je vais être beaucoup plus strict sur les rentrées. J'ai demandé des gens plus malins, donc je veux des gens plus malins, sinon on va peut-être les refuser. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut? Oui, on peut les mettre à la poubelle ici, c'est juste. Donc... Comme ça, on sature pas nos salles de classe et on fatigue pas nos profs pour rien, pour des mecs qui vont être assez nuls. Alors effectivement, on peut voir le nombre d'années ici qu'ils vont passer dans l'école. Ça pourra avoir, ça va influencer évidemment sur le niveau qu'ils auront à la fin et donc éventuellement ce à quoi ils pourront aspirer comme destin. Voilà, malin là, c'est, on prend. Prétentieux. On va mettre, pour les bons, on va les mettre en vodka de préférence hein, pour avoir assassin et potion. Enfin, on essaye. Maintenant, on arrive tout doucement à la fin du jeu, donc je sais pas si ça va fonctionner, mais... Alors lui, il est un peu lent, mais il va quand même faire 7 années d'études, ce qui est bizarre. On m'avait dit que ceux qui étaient un peu plus débiles restaient moins longtemps, mais ça peut être, c'est peut-être complètement décorrélé, en fait. Il n'y a peut-être pas de corrélation. Alors, nature et lumière, on va mettre solarium. Riche, il reste 5 ans. Allergique au pollen. Bon, en général. Peut-être en général. Une nouvelle maison, je pense qu'on en a assez comme ça. Fouiller des élèves, celle de la nature. On va peut-être augmenter un peu... Allez, la salle de la nature, on veut monter un peu de niveau, là. Pas que j'oublie d'aller voir s'il n'y a pas des bonus à prendre quand je fais ceci. Un portrait de l'élève du mois. Non, armure magique. Oui, plus robuste dans les donjons, ça peut être pas mal. On va la mettre
là. Nature, l'étable. La bannière des clans. Pour accroître la réputation auprès des orques, pas besoin. Et le cochonnier, on s'en tape un peu. On va prendre l'étable. On a déjà ici. Boum. Ok. Arcane, salle temporelle. Chapeau magique. J'ai toujours envie de dire chapeau magique, évidemment. Amulette arcanique. Ça peut être pas mal pour booster la production. Alchimie, baveur. Qui nettoie. On en a déjà un. Balance. Toutes les cartes potions sont 40% plus efficaces. Et l'atelier d'enchanteur. On peut booster un peu l'enchantement, pourquoi pas. Alors, sculpteur. L'étudiant travaillant sur le golem a de faibles chances de générer la carte golem inachevée. Ça peut être bien. On va prendre ça. Bon. On va booster un peu la vitesse. Zachary Randall, stupide. J'avais dit qu'on arrêtait. J'en ai encore pris un qui était pas très malin, mais là on arrête. Il va faire que 3 ans en plus, donc s'ils sont stupides et qu'il reste que 3 ans, ça donnera rien. Par contre, un mec brillant en 3 ans, il peut déjà être pas mal. Donc on va le prendre en vodkoff. Brillant et qui va... Oh, brillant, riche, reste 7 ans. Linda Bardol. Elle apprend toutes les magies 15% moins vite, mais bon, peut-être pour l'archimage, on va le mettre en général. Malin, 3 ans. Ouais. Brut. Solarium. Brillant, 7 ans, mais pauvre. Général. Normal, 7 ans. Vodkoff, un peu lent. Reste que 3 ans, on le prend pas. Donc attention que s'ils sortent, ça veut peut-être dire que en fait leur besoin n'est pas rempli. Ils peuvent pas le remplir chez nous parce que les lits sont sans doute déjà réservés ici. Il y a quelqu'un qui va y aller sans doute. Et du coup ils vont aller dormir ailleurs. Donc ça c'est un peu embêtant. Si on en voit beaucoup qui sortent parce qu'ils veulent dormir, il faut absolument pouvoir faire une salle de plus pour dormir. On va essayer de le faire. Alors le cloître dit juste, on ne l'a pas encore. Et on le veut. On le met là. Ah, deux profs médiocres. Bon, bah écoutez, pas le choix. Faut prendre une des deux. Un des deux. Mandragore. Alcool. On verra bien. Ah, un dortoir, génial. On va prendre un dortoir pour en mettre un en plus. Et je vais pas booster celui-là. Ok, ça, parce qu'on a vraiment besoin de place en plus, en fait, là, je pense. Vraiment, il me faut un dortoir en plus. On va le mettre ici. Il était plus que temps, et même, sans doute, j'ai trop tardé avant d'en mettre un autre. Conciergerie, corne de démon. Ça, c'est bien, les cornes de démon, hein. Mais est-ce que j'ai pas déjà pris ça? Oui, j'ai pris niveau 1. Peut-être qu'on peut le remettre. Et on aura le truc au niveau 2. On va regarder. Corne de démon au niveau 2, ouais. Chaque carte identique jouée d'équipement diminue de 1 le niveau des conditions pour l'obtenir. Ah, cool. Ah, c'est pas mal. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ils ont fait un bon boulot de dev pour les devs pour que ce soit pas inutile. Que les cartes ne deviennent jamais inutiles, c'est plutôt bien. Cher ami sorcier hérétique, quel jeu de vous voir. Un présent. Oh, qu'est-ce qu'on va prendre? Du mana de lumière? On prend directement la carte salle de lumière, c'est mieux, on va directement monter d'un niveau ici. Voilà. Ok, où est-ce qu'on va aller? On va aller au campement, prendre encore des cartes. Hein. Ah, j'ai que 112, zut. On va recevoir un peu d'or, alors. On n'a toujours pas eu l'occasion d'aller une deuxième fois dans un autre donjon. Je suis un peu surpris qu'on y aille si peu, en fait. Je crois qu'on va faire que deux donjons sur la partie, en réalité. Les égouts sont plus disponibles.
Ruby Corrigan. 5 années d'intelligence normale, je vais quand même le prendre, je pense. Un peu lent, 7 ans, là, 7 ans passé à rien fou, à rien faire, pardon, j'avais grossier, dis donc. On va pas le prendre. Normal, 5 ans, c'est pas mal. Vodkov, Maline, 7 ans, aisé, ah c'est bien. Élu de la lumière, c'est bien, mais j'ai pas d'objectif vraiment en solarium, on va aller en général pour essayer d'en faire un archimage. 5 ans normal, label bio. Dolmen, pour le druidisme, herborisme. Un lit végétal pour booster le druidisme et l'herborisme, j'ai pas vraiment besoin. On va simplement améliorer la salle de prof, la salle de cours. Ah, il y a de l'air maintenant dans le dolmen, cool. À 4 points, on arrive à l'éprochaine domestique. Les étudiants ont d'importantes chances d'augmenter leur niveau de richesse. Déjà pas mal boosté, hein. Peut-être améliorer l'infirmerie serait utile. Mais on va prendre la peinture orque. Parce que voilà. Alors ça donne quoi ceci? Élixir sacré, gagner 200 mana de lumière. Franchement, je fais ce que je peux. De toute façon, on va essayer ça parce que cette combinaison-là, j'ai pas encore fait. Non. Nettoyage, nettoie tous les tags dessinés sur les murs par vos étudiants, améliore la propreté des salles. Ah, super. Alors, la lumière ici, dragon blanc. Appareil raclette de Xar-Saroth. On pourra générer du fromage. Bon, allez, pourquoi pas. Pour les profs, ça, l'appareil raclette. C'est trop précieux pour laisser les élèves s'en servir. Bon, on paye. Gilbert, sève du temps. 3 ans, un peu lent. Goodbye. 3 ans, un peu lent. 7 années, il est un peu lent, mais il va rester 7 ans. Mais 7 ans, justement, à faire rien de bien. Je vais pas le prendre. Au dormeur gothique, touche à tout, Maline, 3 ans, mais bon, on va quand même prendre. Oh, j'avais pas vu. D'accord. Whoop. Ok. Héroïne. Ah punaise. Y'a jamais archimage, hein. Bibliothécaire. Aventurier. Parfumeuse. Paysan, y'a moyen d'avoir mieux là clairement. Ok. Garde-chasse, recevez 30 mana de nature et 20 or. C'est un peu nul. Page, c'est un peu mieux parce qu'on a du prestige. Bon. Bon, ça veut pas, ça veut pas. Un peu lente, 7 ans. Merci. Maline, 7 ans, très bien. Alchimie, hein, c'est pas mal, là. On va mettre en Vodkov pour faire le duo Alchimie-Ombre, hein, on espère. Kevin Panache, travailleur agressif, brillant, 5 années. C'est bien. Général. Est-ce que j'ai de l'argent? J'ai de l'argent. On va reprendre une nouvelle salle de cours pour améliorer. On sait jamais qu'on ait potion ou assassinat. J'en ai besoin. Ou salle de l'ombre. On va la monter au niveau suivant. Oh, les schémas mystérieux peuvent améliorer l'intelligence des élèves, mais la chance est petite sans doute, mais ça pourrait être bien, je vais les prendre. Et on va mettre ça dedans, ouais, dans la salle à manger, clairement. Pas que j'oublie, regardez, il y en a plein qui partent parce qu'ils peuvent pas dormir, mais ce que je comprends pas, c'est que...
Ou alors c'est ceux qui ont fini leurs études, non? Année 2 sur 7. Ils perdent du temps pour travailler quand ils partent. Faut vraiment éviter ça. Et ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des lits libres. Ah, il n'y a pas d'accès peut-être, mais si. Ah, il a eu son bâton, lui. Bâton de nécromant. Produit 30% de mana d'ombre en plus. C'est super, hein, cette idée de leur mettre des équipements et tout comme ça. Ça rend vraiment bien, mais je comprends pas pourquoi ils vont pas plus... Peut-être qu'ils sont déjà... Ouais, ils sont peut-être déjà réservés. Possible. Alors, chapelle des héros... 5 nouveaux étudiants avec le trait elf. Allez, pourquoi pas. Ça fait quoi le trait elf? Apprend 30% plus vite dans les salles hautes. 4e étage et plus. Ah. Et ne prend son avenir que parmi les 4 meilleurs. Ah tiens, c'est pas mal ça. Ouais, apprend l'alchimie moins vite et disciple de l'ombre. C'est un peu embêtant, mais on peut... 3 ans, en général. On commence à avoir vraiment trop d'étudiants, je pense qu'il faut que je me calme. Mais là, 7 ans et brillant, c'est vraiment très bien. Général. On va vraiment, tous ceux qui sont bêtes, on les prend plus. Hein. Il y a trop de monde. Il me faut du nouveau matériel pédagogique. On reçoit 250 d'or. On peut prendre grimoire, on sait jamais, c'est peut-être bien grimoire, je vais le prendre. Ah oui, j'en avais déjà un. Petite chance de gagner spécialisation dans une école de magie aléatoire quand ils vont passer à côté. C'est quand même pas mal. Enfin, quand ils vont utiliser la salle. Dans le dortoir, on peut pas en mettre malheureusement. On va mettre ça là. Normal, 5 ans. Vraiment, tous les normaux ou un peu lents, je ne vais plus les prendre peut-être, à moins qu'il y ait vraiment de nombreuses... Disons, si au moins 5 années d'études, on prend les normaux. Les bêtes, on les prend pas. On va mettre en général. Composant rituel. Plastron sauvage. Les prérequis sont pas très importants. On gagne une réputation avec les orques à chaque gain de niveau magie de l'ombre. Oh, j'ai pas vraiment besoin de ça. Oui, chambre des démons, on va l'améliorer. Au niveau 1. Grimoire infernal, les élèves chaotiques apprennent 30% plus vite. Allez hop. C'est parti. La salle interdimensionnelle, pourquoi pas? On va améliorer le bureau d'orientation. Allez, on avance bien. Mais faut continuer. On voit encore qu'ils partent pour sommeil. Attendez. Là, c'est pour cause d'ennui, je pense. On ira voir après si je m'en souviens. Normal, 7 ans, ok, pas mal. Touche à tout. Général. Normal, 5 ans. Ambitieux. Vodkov. Brillant, 3 ans. Bon, mais il est brillant. Bon. Pourquoi pas. Inébranlable, hyperactif, malin. 5 ans. Donc là, c'est l'ennui qui est trop élevé. Ok, si on peut essayer peut-être de faire réduire un peu l'ennui sur les étudiants, ce serait pas mal. On a plein d'étudiants encore en cours là, je vais... On va quand même le faire. On va sélectionner que les meilleurs et c'est tout. Malin, 3 ans. Bon, ok. 5 ans. Malin, 7 ans. Brillant, mais que 3 ans, mais brillant quand même. Élu de la lumière. Ok. Oh, on a du fromage. 5 ans est normal. Bon, on avait dit qu'on prenait ça.
Normal, 7 ans, agressif, malin, 3 ans, ombre. 7 ans, normal, on prend. Malin, 3 ans. Ok. Alors, ça donne quoi? Potion de destruction, blesse grièvement tous les assaillants. Pratique pour tuer les monstres. Ah, cool. Pas que j'oublie que je l'ai, hein. Nouvelle salle ou artefact? On sait jamais, j'aurais peut-être un bon artefact. Ou alors pour 200, on a 3 cartes aléatoires. Ah, c'est vraiment des décos, ok. Bannière des clans. Pour les orques, pour les aventuriers, pour l'inquisition. L'inquisition, on pouvait avoir un truc intéressant si ça montait, c'était pas si facile. Je vais mettre ça là. Salle de l'ombre. Tiens, j'ai eu ça en achetant la lumière. Intéressant. Bon voilà, foyer des élèves permet à 5 élèves de diminuer leur ennui. On a déjà un. Mais je pense qu'on va en mettre une deuxième salle. Je vais pas monter le niveau, je vais... Parce que c'est quand même assez petit. Donc il en faut une deuxième. Cool. Le lit tribal est pas mal parce qu'après le perso se fatigue plus pendant une très longue période. Ça c'est bien. Mais le bâton de chaman me permettrait d'atteindre l'objectif du mana plus vite, puisque que dès qu'ils seront au niveau de druidisme, ils vont produire 30% de mana de la nature en plus en étudiant. Ouais, ça c'est quand même assez top. Alors où est-ce qu'on en est au niveau des stats? 5200 sur 8000, ça va être chaud quand même. Hein. Mais bon, logiquement on en produit de plus en plus, donc ça va peut-être aller. Donc peut-être quand on attend d'avoir du mana ou des événements, toujours jeter un œil sur les élèves qui partent éventuellement. Ça me donne une bonne indication. Est-ce qu'ils vont réussir à relever ce squelette un jour ou pas? J'ai l'impression plutôt pas. Gagner 5 de prestige, ok. Potion, ah cool, on va pouvoir la monter au niveau 2. Ou en mettre une deuxième, mais... Je sais pas. Je sais pas s'il y a vraiment les étudiants bloquent parce qu'on n'a pas souvent de place. Ou alors est-ce que... Je crois que c'est plutôt que c'est mieux d'augmenter l'efficacité. Hein, pour les salles. Je suis pas sûr, mais... Alors voilà deux qui voulaient... Ouh, tous les nouveaux étudiants. Ou alors ils reviennent... reviennent du village, je sais pas. Si on pouvait faire un dortoir en plus, peut-être ce serait pas mal. Alors, brillant, 3 ans. Allez, votre coffre. Le bûcher. Ah oui, mais ça... Oui, on va le mettre dans une salle de lumière encore. C'est-à-dire ici sans doute. Ok. Megan Bollé est devenue maître brasseur. Recevez 3 cartes alcool, ça m'intéresse vraiment pas. Sbire. Oh, il y a chevaucheur de dragon aussi. On dirait qu'il y a des choses mieux qui commencent à arriver tout doucement. Hein. On a eu berger finalement. Fabricant d'encre. Ok. Aventurier. Berger, bon, pourquoi pas. Il y a quand même des trucs genre professeur de magie et tout, on n'est pas loin d'archimage, je pense. Maître de rituel. Bibliothécaire, oui. Mage de village, ok. Héroïne, ou héros.
Ok. Tailleur de pierre. Archiviste animalier, l'efficacité des scriptoriums runiques augmente de 1%, d'accord. Ils en ont. Défenseur du village, ok. Bon. Les planches d'herboriste. Serre. L'étable. On va améliorer la serre avec de moult plantes. Guide les étudiants vers les rares professions à leur niveau, ça m'intéresse quand même vraiment bien. Je vais la booster au max cette salle. On la veut la plus efficace possible. Rendre le royaume heureux à nouveau. Je vois la référence. Salutations, j'ai besoin de vos sages conseils magiques pour m'aider à diriger mon royaume au mieux. Mon peuple est là, il s'ennuie. Un grand banquet, ça me fait monter la réputation, c'est pas mal. Et en plus, j'ai de la parcophyte, coup de bol. On prend ça. Et je gagne de la réputation avec le royaume et les paysans. Cool. Normal, 7 ans. Ok. Calendrier lunaire, je sais pas ce que ça fait. Mais il me dit qu'elle est très rare et très puissante, donc peut-être que si j'ai de l'argent, j'aurais toujours acheté celle-là, celle qu'il me propose. Les étudiants actifs dans cette salle ont une petite chance de devenir loup-garou, en particulier s'ils sont doués en druidisme. Ouais. On va mettre ça dans la salle de druidisme, du coup. Pourquoi pas? Parcophyte, alcool. Alors là, on a deux salles à acheter. Deck de l'ombre, prison, non. Assassin, je le veux au max le plus vite possible, donc on y va, mais... Parcours du combattant. L'étudiant réalisant le parcours a de très grandes chances de devenir sportif. Ok. Alors normal, 5 ans. J'ai beaucoup d'élèves, là, je vais peut-être me calmer un peu. Tout ce qui est intelligence seulement normal, je vais refuser pendant un moment. Je veux des mecs brillants. Quitte à avoir un tout petit peu moins d'élèves, mais... Le golem inachevé réduit les frais d'entretien de toute l'école de 25%. Alors je sais pas s'ils peuvent se cumuler, mais j'imagine qu'il y a un petit bonus à reprendre. Ah, potion. On prend potion évidemment là. Salle d'alchimie pour booster encore un peu la potion, pourquoi pas. Tomber de la charrette. Ouais, pour 100 euros une carte parmi 3, c'est pas cher. Le plastron sauvage, on a vu, ça m'intéresse pas. Les cornes de démon, on peut encore les améliorer, hein, pourquoi pas. Ou alors les signes des très anciens. Au moment de recevoir un avenir, le seigneur du mal est repoussé de 1%. Parce que, après, maintenant, il reste vraiment plus beaucoup de temps, hein, mais... On va prendre les cornes de démon, on va monter au niveau suivant. On va se préparer au max pour accueillir les ennemis. Bon. Nature, gardien, terrarium, serre. Améliore définitivement un professeur. Ah, pas mal. Ouh là là, il est capable de faire des coups critiques en enseignant qui procure un gros bonus de connaissances aux étudiants. Alors attendez, on va mettre en pause et on va regarder l'épreuve de potion et de assassinat pour voir s'ils sont bons. Là, il est seulement correct. Et je crois qu'on l'avait déjà amélioré, donc ça risque de pas fonctionner.
Je crois que ça marchera pas. Et assassinat. Il est bon. Ok. Donc là, c'est... on va mettre sur assassinat alors. Alors, normal, normal. Malin, 5 ans, pas mal. Thomas Bollé, un peu lent, riche. Un peu lent, non, on va pas prendre. Ok, on s'arrête ici pour cet épisode. Et puis le suivant sera probablement le dernier. Il reste encore assez de temps pour faire un épisode, je pense. Donc, il y aura également l'attaque, peut-être encore un donjon, j'espère, quand même, avant la fin. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos études de magie. Je vous dis à très bientôt.